C'est connu il y a une vingtaine d'années. Jérôme avait un groupe et il cherchait un batteur et j'ai fait le batteur pendant quelques temps en studio, puis ensuite sur quelques dates de concert. Je devais rester 3 semaines, puis rester 2 ans et demi. Non mais au départ, il devait venir 3 semaines et il est resté 2 ans et demi. Hein. Je devais juste enregistrer la démo. La démo et après j'ai fait une date, puis deux, puis deux, puis trois. Et l'album. C'est-à-dire The Garden of Stones. C'était l'album post-punk, noisy pop, vraiment qui a plu à tout le monde. Cold wave, gothique, il y avait un mélange de tout. Et aujourd'hui encore, c'est le meilleur. Avec No Records. Alors, je suis bien là comme ça. Ok, c'est bon. Ok, alors voilà, on va commencer. Là, tac. Là, je suis bien. Alors, Jérôme Grousset, alias Tedium Vitae, featuring Baron de la Tour. Et nous sommes ici au Aignor Studio. Donc je suis le leader incontesté de 3 groupes. Sans parler de mes projets, j'ai commencé la musique avec Dies Irae en 1992, donc Dies Irae. J'ai continué en 1995 sous le nom de Tedium Vitae. Et aujourd'hui, je suis plus connu sous le nom de Tedium Vitae featuring Baron de la Tour. Là, franchement, on est propre. Et pour une fois, je suis content. C'est la première fois de la journée que je suis content. Là, on est bien, là. Et là, c'est mon endroit préféré, la salle de bain, parce que je suis une vraie poule, en fait. Là, tu vois, GG, il est comme ça, regarde. Là, il revit. Ma loge, moi, elle est à côté, parce que j'ai mis une gazinière, parce que des fois, je voudrais cuisiner un peu, tu vois ce que je veux dire. Qui est vraiment sombre, noir pour moi, c'est plutôt le regard des autres et non pas, tu vois ce que je veux dire, c'est les a priori plutôt, je dirais. Tu peux t'habiller en jaune fluo et être hyper dépressif, hein. Et tu peux t'habiller tout en noir, te maquiller, avoir les cheveux crêpés et être hyper joyeux. C'est pour ça que c'est dommage que tu ne viennes pas. Mais tu verras le film. C'est exactement ça, je verrai le film. Et le DVD, il sera peut-être même en vente ici. Ça roule avec plaisir, ouais, c'est vraiment... It's me. Ça, j'aime bien, tu vois. On sait pas trop si c'est pour femme ou homme, mais ça, j'aime bien porter ce genre de choses. Ça c'est excellent, ça ira bien dans mon salon. Je vais essayer, déjà les lunettes elles me plaisent grave. On va bien dedans, ouais, ça c'est cool. Faut imaginer le jabot, tout ça, les cheveux crêpés, maquillage. Moi je kiffe. C'est difficile d'inventer des nouvelles chansons avec une simple base de notes. C'est pour ça que j'écoute pas mal de musique classique, parce que avec une seule note, il y a 10 millions de gammes possibles. Le fait de bosser tout seul me permet
à structurer mes morceaux comme un vrai compositeur. Je pourrais faire des musiques de film. Alors, mes 19 ans, super souvenir, parce que il y avait tous mes amis, mais par contre, on a un problème, c'est que j'ai perdu mon père à ce moment-là. Et puis ma maman a dit, de toute façon, ton père aurait été là, il aurait été là aussi à la fête, alors il faut pas qu'on annule. Et donc du coup, on a quand même fait le concert dans la cave à la maison chez mes parents. Et il y avait donc les trois groupes, Crash, Muspiral et Tedium. Diesiré en fait, à l'époque c'était Diesiré. Et mon père, c'est vrai qu'il aurait été de ce monde, il serait venu nous voir jouer. Et puis voilà, donc on l'a fait quand même. En général, il faut bien 2 ans pour faire un vrai disque de qualité. Ah, bien départ, sûr, c'est départ, normal. Hein, entre les premières maquettes, les premières démos et le final, il y a quand même énormément de travail à faire derrière. Donc, ouais, bah quand il était jeune, je me souviens très bien. Hein. Noir de la tête aux pieds. Je crois qu'on a tous ce besoin, aussi bien des musiciens que des acteurs, ce besoin de s'identifier avant de se trouver soi-même, on va dire. Et donc moi, ça s'est passé par The Cure, mais ça aurait pu passer par Bob Marley. T'imagines, avec des dreadlocks jusqu'aux chevilles, me teindre la peau, faire des orangés de peau et tout ça pour ressembler à Bob. Tu vois le chantier. La carpe, elles sont super méfiantes. Les carpes et les tanches, c'est super méfiant comme poisson. Donc faut attendre. Celui-là, je l'ai vu venir. C'est encore le chat ? Ouais. Moi, je m'en doutais. J'ai mis un verre alors. Encore un poisson 4. 4 fiches.